On est assez raccord, hein. Ah oui, c'est... Mais vous êtes un vrai petit couple, en fait. Vous vous connaissez bien. Ça fait combien de temps que ça dure entre vous, déjà? Cyril Hénercotte, la première fois que vous vous êtes rencontrés. C'est bon? Moi, j'ai écrit. Alors, t'es prête? Oui. Et montrez vos ardoises. Trop mignon, ils sont déjà pas d'accord. Le salon du chocolat, chef la recette sur M6. Ah, vous n'êtes pas d'accord. Ah bon? Ouais, avec Manu Payet, moi je m'en souviens. Mais on s'est rencontrés une fois avant dans des salons de cuisine. Peut-être. Ah oui, c'est sûr. Tout au début, quand j'ai fait Oui Chef, c'était en 2005. Oui. On s'est croisés dans des salons de cuisine. Oui, mais je ne te connaissais pas. Ah oui, mais on s'est rencontrés. Ah oui, mais je ne te connaissais pas. Là, je t'ai connu. Mais lui, je t'ai parlé. Je t'ai parlé. La dernière fois que vous vous êtes chamaillé. Dis donc, tu as écrit des grandes phrases, Mercotte. Ah oui, mais... Pareil. À ma connaissance, on ne se chamaille jamais. Voilà. Jamais? Même voilà. Pas une embrouille une fois? Jamais. Jamais. Bah okay. Non, vous n'avez pas de jamais, Mercotte, à ma connaissance. Jamais. À ma connaissance. Je m'en souviens pas, parce que moi, à mon âge, allez. On oublie. Ouais. Non, attends. T'as une bonne mémoire. Le dernier SMS que toi, Cyril, tu as envoyé à Mercotte. C'est en ce moment, donc ça va. Hein. Cyril, une photo de nous et Mercotte, une photo du tournage. On est d'accord. Là, vous êtes bon, bravo. Le dernier appel de Mercotte à Cyril. Oh, c'est mignon, montrez. C'est bon. Alors Cyril, c'était avant le tournage pour prendre des nouvelles, j'imagine, Mercotte. Moi, je ne le dérange pas. Moi, je t'appelle pas. C'est vrai, tu l'appelles jamais, Mercotte? Non, j'attends qu'il m'appelle. Le dessert préféré de chacun. C'est simple. Alors, montrez-vous vos réponses. La c'est tarte citron et le Royal Trianon. Le Royal, c'est ton gâteau. Exactement, le Royal au chocolat. Ah, moi, je pensais que tu allais dire le biscuit de Savoie. Ah, ouais. J'ai dit, fais simple. Ah, j'ai pas pensé, La routine du matin de l'un et de l'autre. Oh, bah, ça, c'est facile. Hop. Alors, montrez-vous. Bah, évidemment, la marche à 5h du matin pour Mercotte et le petit déjeuner dans sa chambre avec tartines et confitures pour Cyril. L'ingrédient que l'autre n'apprécie pas. C'est précis, Mercotte. Bah oui. Alors, Cyril, évidemment, bah oui. C'est de notoriété publique maintenant, la noix de coco. Trop acide, citron. Le citron caverne dans les desserts, il n'aime pas du tout. Ces petits bouts de citron, c'est très acide. Et c'est vrai ça, Cyril, t'aimes pas du tout? Mais j'aime dans la cuisine, je l'aime pas dans les desserts. C'est pour ça que j'ai préféré. Dans les desserts. La plus belle qualité de l'autre? Facile. Oui, t'attends mes longs, toi, là. Ben oui. Ah ben dis donc, il y a toute une liste, toi, il n'y a qu'un mot, toi. On a demandé la qualité. Gentillesse, bienveillance, écoute et gentillesse. Gentillesse, voilà. Bah bravo, c'est pour ça. On est assez raccord, hein. Ah oui, c'est... Mais vous êtes un vrai petit couple, en fait. Vous vous connaissez bien. Ça fait combien de temps que ça dure entre vous, déjà? Ah, 9 ans. Hein. 9 ans. Ah oui. Hein. Le petit défaut de l'autre. Elle balance, hein, Mercotte. Lâche-toi, Cyril. Je sais pas. Bon, c'est gentil. Ah oui, et puis t'as mis, t'as mis j'ai une explication. Expliqué pourquoi. Ouais, je voulais dire pas têtu, mais... Ah, c'est pas mal têtu. Obtus, c'est bien aussi. Ah, c'est plus violent, obtus, non? Bah oui, mais je suis violente, hein. Pour Cyril, nous avons têtu, en ce qui concerne. Et moi, j'ai mis toujours au téléphone, il bosse trop, donc il est un peu en retard. Voilà. Mais t'as vu, elle t'a déjà trouvé des excuses. Et têtu? Têtu, c'est vrai ou pas? Bah, quand Mercotte est là, elle a une idée, elle a une idée. Elle est savoyarde. Votre souvenir de tournage le plus mémorable? Ah oui. Il y en a d'autres. Il y en a tellement, c'est difficile ça. Ah oui, c'est vrai. Les fous rires. Oh, c'est plus ou moins la même chose, puisque Cyril, c'est qui? Mercotte déguisée. Mercotte déguisée en Marie-Antoinette ou en Statue de la Liberté. ou en Reine d'Angleterre ou les déguisements. Ouais, les déguisements. Il faudrait qu'on reprenne un peu les déguisements. Ouais. Mercotte qui débarque comme ça déguisée. Ça t'allait bien, Mercotte, tous ces déguisements? T'aimes bien, toi, te déguiser? Moi, je me prête à tout ce qu'on me demande. Marie-Antoinette, c'était magnifique. Ouais. On aurait dit vraiment qu'elle vivait dans cette époque. Alors, si vous deviez choisir un mot pour décrire l'aventure du meilleur pâtissier?
C'est bon ? Oh, c'est trop mignon. Le bonheur, carrément, pour Cyril. Vie de famille, moi, c'est pareil. Ils sont mignons, ceux-là. Vous êtes très, très mignons, vous savez. Vous n'avez aucun problème de couple, en fait. Aucun. C'est reparti pour combien d'années, là ? Bah, 10 ans. Oups. T'inquiète, Mercotte. T'inquiète, Mercotte. Mercotte, combien d'années encore ? Ah ben ça, moi, tant qu'on me demande, je suis là, tant que j'ai la pêche, t'en fais pas, je suis là.